Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Bon, je vous propose quelques exercices à corriger, bien sûr, pendant ces vacances. Je relis chaque déterminant avec son nom. Voici les déterminants. Le, la, l'apostrophe, un et des. Ce sont donc des petits mots qui viennent avant le nom. Jour, oiseau, ordinateur, grand-père, mère. Alors, je prends une flèche ici et je relis. Peut-être on dit le grand-père. Aussi, on dit le jour. Le jour. Ou grand-père. Le grand-père. C'est la même chose. On dit un jour, un grand-père. Puisque un jour et grand-père ce sont deux noms masculins. Pour l'oiseau, on dit un oiseau. Ah oui, on dit un oiseau aussi. Et l'oiseau. Les deux à la fois. Le jour, le grand-père. Un grand-père, un oiseau. L'oiseau. Pourquoi l'oiseau? Puisqu'il commence par une voyelle. Oh. Alors, le jour. Un jour. L'oiseau. Un oiseau. Le grand-père. Un grand-père. On continue. La mère. Les ordinateurs. Voilà. On peut mettre par exemple différentes couleurs. Voilà, la mère. Les ordinateurs. La mère, puisque c'est féminin. On dit la mère. Les ordinateurs, ce sont, c'est un nom pluriel. C'est un nom masculin pluriel. Des ordinateurs. Alors je recommence. Le jour. Le grand-père. La mère. L'oiseau. Un jour, un oiseau, un grand-père, des ordinateurs. Je colorie les pronoms personnels. Deuxième activité. Bon, je prends par exemple un crayon de couleur. Et je colorie les pronoms personnels. Je, mon, les pronoms personnels. Les pronoms personnels sujet. Je, mon, il, elle, sur, vous, pour, elle. Avec S. Alors bien sûr, c'est je. D'accord? Il, je, c'est moi. Il, c'est lui. Elle aussi. Vous. Et elle avec S. Je, il, elle, vous, elle avec S. Nous, dans, on, tu, ta, il, tout, par. Bien sûr, nous. On, tu, il avec S. Corrigez, s'il vous plaît. Si vous avez cet exercice, vous corrigez. Le pronom personnel sujet que vous connaissez tous, c'est je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il avec S et elle avec S. C'est clair? Alors répétez avec moi. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il avec S et elle avec S. Troisième activité, je range les mots des listes dans l'ordre alphabétique. Ça veut dire tout simplement, il faut ranger ces mots selon l'alphabet.
On va lire d'abord les mots. Auto, voiture, moto, bicyclette, rose, image, fiche, comédien, dindon. Alors, pour tout simplement réussir à cet exercice, il faut tout simplement se rappeler l'alphabet français. On va commencer par quoi? Par A. Alors, j'écris ici. D'accord? Qu'est-ce que j'écris? Voilà. J'écris bien sûr des mots. Commençons par auto. D'abord, auto. Après, auto. Qu'est-ce qu'on a? Après, auto. Bicyclette. Voilà, après bicyclette, qu'est-ce qu'il y a? Après bicyclette, on cherche, comédien, parce qu'il y a la lettre C, après comédien, on cherche D, oui, dindin. Après D, il y a E, F, fiche, oui, fiche, E, F, G, H. I, c'est image. I, J, K, L, M, moto. M, N, O, P, Q, R, rose. R, S. T, U, V, voiture. V, exhaust. V, X, Y, Z, c'est vraiment ça. Oui, d'accord. Alors, alors, il y a auto, bicyclette, comédien, dindon, fiche, image, moto, rose, voiture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça y est. Bon, on continue ici. Xylophone, yo-yo, piano, serpent, vélo, radio, tomate. C'est la même chose. On va commencer par quoi? Par la lettre P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Alors, P, c'est le premier. C'est le premier mot. P. P. O, P, Q, R, radio. R, S, serpent. T, tomate. P, R, R, P, O, P, Q, R, S, T, U, V, vélo. V, de V, X, xylophone. Et yo-yo. X, Y, Z. Yo-yo. Alors, on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. C'est bien. Alors, il reste ici. Je complète les mots avec en. Je dois faire attention ici. Alors, on dit framboise avec AM.
Ambroise, la dent. Ça fait mal, hein, novembre, avec OM. Bon. Corrigez, s'il vous plaît, si vous avez une faute. Trempé. Tempête. Branche. Branche. Une branche. Bronche ou branche? Branche. Une lampe. Vendredi. Alors ici, je dois mettre AM. Framboise. Framboise. Une framboise. Et ici, la dent. N. Novembre. Trempé. Il y a deux sens, soit tromper avec OM, d'accord? Ça explique deux sens, c'est soit tromper, soit tromper. Tempête, branche, lampe et vendredi. Voilà, c'est pour le moment. On a bien corrigé ces exercices. Ah, il faut tout simplement corriger si vous avez des fautes. Au revoir et à très bientôt.